Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tout simplement parler de la track et de ses défis, donc c'est parti. Donc tout d'abord on peut observer que sur la track, il y a, enfin l'objet mystère, il y a deux boss à côté de sa tête. Donc là où je veux en venir, c'est tout simplement que c'est marqué bientôt révélé à l'objet mystère, sauf que la track était déjà révélée et donc on peut voir que sur les défis de la semaine 10, c'est 1 sur 2. Donc voilà, c'est l'incompréhension totale, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un autre. Donc voilà, dans cette image-là, on voit tout simplement que les boss de la track sont identiques donc à son skin approprié. Donc voilà, les petits trucs pour le tenir, c'est ça en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu, que c'est bien détaillé et tout. Ensuite, on va passer à ses pieds et ses jambes qui sont totalement glacées, donc voilà. Ce qui ferait totalement penser, donc tous les suppositions sur Fortnite de ça en fait. C'est qu'une tempête de neige arrivera très bientôt dans Fortnite, donc ce qui pourrait penser que... Le deuxième item qu'on puisserait avoir serait donc un objet enneigé, donc peut-être, un Père Noël, c'est tant jamais, hein. Et donc sur l'écran de chargement de la semaine 8, on peut totalement voir les pieds glacés et les mains glacées de ce personnage, et puis... Et donc sur son petit écran qu'il a la liste, on peut tout simplement voir Oct 3, donc 3 octobre. Donc il n'y a aucune date apparente sur ça, donc on sait pas. Et donc le 3 octobre, il n'y a rien de spécial sur Fortnite Battle Royale. Et donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire pour que je puisse améliorer un maximum mes vidéos. Bonne journée à tous. Peace.